Mesdames, Messieurs, bonjour. On va patienter encore 1 à 2 minutes pour laisser aux gens le temps de continuer à se connecter. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre session en partenariat avec Atunity. Ce webinaire traitera la diffusion des données mainframe depuis SAP, DB2, Oracle ou SQL vers les systèmes Apache Kafka et vous présentera donc la complémentarité entre les solutions
Confluent et Attunity. Les personnes qui seront vos speakers aujourd'hui sont Aurélien Gouget, directeur Solutions Engineering Southern Europe chez Confluent, et David Lecomte, Solution Engineer Europe chez Attunity. Je laisse maintenant la parole à Aurélien. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter la solution Confluent en introduction, en slide. Il y a une petite présentation également de David Lecomte qui fera également des slides. On vous a préparé une petite démo rapide d'Attunity Replicate vers Confluent et de la partie également mirroring entre deux systèmes Confluent avec notre système de réplication. Donc, pour partir sur la partie Confluent, je pense que tout le monde va retrouver un peu de son environnement sur ce slide. J'aime bien commencer par ce slide qui reprend un peu l'historique, enfin je dirais l'historique et le type d'architecture qu'on peut retrouver chez les clients, avec pas mal d'environnements applicatifs, bases de données plus ou moins complexes, des systèmes de messaging existants comme ActiveMQ qu'on peut retrouver sur le slide. Toute cette complexité et la création, pas forcément évidente, de nouvelles applications, de microservices, ces modèles de données qui peuvent être plus ou moins complexes à gérer dans différentes équipes. Ça, c'est un peu, je dirais, la vision globale que peuvent avoir la majorité de nos clients aujourd'hui dans leur SI, en utilisant des moteurs plus ou moins complexes pour transporter de la donnée et la partager entre ces différents environnements. Le but de Kafka, qui a été créé chez LinkedIn, je dirais, dans son concept de base, de pouvoir partager et simplifier les échanges entre les applications et les sources de données. Donc on a créé ce bus il y a maintenant 4 ans chez Confluent et à peu près 6-7 ans, je dirais, dans la fondation Apache, parce que le projet venait de chez LinkedIn. Et on a cette capacité, avec ce bus, à partager la donnée entre différents environnements, différentes sources de données, différentes applications. Et le but est de pouvoir partager en temps réel ces données et de pouvoir maintenant les valoriser. C'est la grosse. Non, ça peut être franchement une belle opportunité. Merci. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Il y a peut-être une question. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une erreur. C'était une erreur. Donc la plateforme de streaming, c'est une des grosses nouveautés depuis à peu près 2 ans maintenant sur la partie Kafka avec Kafka Stream. Et il y a eu des gros changements cette année avec l'arrivée de KSQL. C'est ce qu'on va couvrir un peu aujourd'hui. Donc historiquement, c'est un Kafka faisait du publish and subscribe classiquement dans la consommation et de la production consommation de données très basique. Maintenant, on a la capacité également à faire du stockage, à stocker plus long terme la data dans le système. Et également la traiter avec la partie processing qui est donc le Kafka Stream et le KSQL, qui est une abstraction qui permet de simplifier les accès à Kafka Stream. Donc ça, c'est un peu la vision globale. Donc le but est de pouvoir valoriser en fait ces applications, ces différentes sources, qui peuvent être des sources mainframe, là, comme dans l'exemple aujourd'hui, on a une table qui vient d'un DB2 sur un mainframe. Une base Oracle, c'est aussi la démo d'aujourd'hui, une base Oracle permet d'avoir des sources de données dans Oracle, et puis des targets qui peuvent être des targets existantes, hein, historiques, des legacy, qui peuvent être des data warehouse ou un système Hadoop, mais pas seulement, on peut aussi imaginer créer des nouvelles applications, c'est ce qu'on voit au-dessus du slide, des nouvelles applications qui vont permettre de créer de la valeur autour de ces traitements de données qui peuvent être faits dans Kafka. Donc on n'a pas, c'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas qu'une méthode, il y a différentes approches, différentes méthodes de travail autour de Kafka qui peuvent permettre de créer de la valeur et de la renvoyer dans un système existant ou nouveau ou directement de la consommer depuis le bus. Donc pour revenir à la plus en détail sur la plateforme, là on a vu un peu le schéma global de ce que peut être une plateforme de streaming et de la valeur que ça peut apporter. L'offre Confluent se découpe en plusieurs parties. On va commencer par la partie Apache, hein, la partie open source classique, donc l'Apache Core avec Connect, le PubSub et le streaming, puisque 70% des committeurs Kafka travaillent chez Confluent. Donc on drive un peu cette roadmap Apache Kafka. On a un impact assez fort là-dessus et on commit pas mal de code. Et on a également chez nous une plateforme open source, Confluent Open Source, qui apporte déjà des nouveautés. Donc, intègre bien sûr la partie Apache Kafka classique. Et puis, on a développé un schéma registry
qui permet de gérer des schémas à la source pour pouvoir garantir des données qui vont être écrites dans le système. Ça, c'est très important quand on est dans un mode, je dirais, run d'entreprise et qu'on veut sécuriser les données en entrée et donc en consommation, d'avoir ce système. On a des outils de développement, donc des clients, des connecteurs, des Kafka Connect que je vais expliquer juste après. Tous les clients qu'on peut retrouver sur le marché comme un des drivers. Windows, par exemple, le driver .NET, pour intégrer des applications sous Windows. On a un REST proxy également qui permet de consommer, de produire de la data en API REST. C'est assez pratique pour des applications qui sont pas compatibles Java ou qui sont un peu exotiques. Assez pratique pour créer de l'événement. Et donc, la partie KSQL qui permet de faire une abstraction de la partie streaming. Donc, KSQL permet de faire du SQL dans Kafka et pas de l'exposer, hein. C'est pas un driver SQL pour faire de l'Excel ou du tableau du ClearView, c'est vraiment pour traiter la donnée dans le système. Ça évite de faire du Java ou d'autres développements. Ça, c'est pour la partie open source. Il y a déjà pas mal de choses disponibles. Et dans la version entreprise, en orange, on va retrouver des fonctions après pour le run, donc la console de monitoring et de management qui va être disponible, le Confluent Control Center que je vais vous montrer tout à l'heure. Et également, en mode opérationnel, on va voir le réplicateur et l'autodata balance. Donc, le réplicateur, c'est ce que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. On a un miroir entre deux clusters. Et le data balancer, c'est la capacité de répartir la donnée sur différents nœuds. Donc, ça, c'est quand on fait évoluer le cluster en production. Pour la partie connect, c'est assez important d'intégrer ces aspects-là dans votre développement. C'est une simplification en fait des accès aux sources et aux destinations. Donc là, on le voit sur le petit slide, c'est très simple dans sur le diagramme. Il y a des sources de connexion qui peuvent être Mongo, driver GDBC, l'Oracle, et on a également des partenaires comme Affinity, c'est la démo d'aujourd'hui, qui permettent d'avoir cette capacité à faire entrer de la donnée et ne pas à complexifier, je dirais, l'intégration de données par des développements, mais à utiliser des produits, des outils un peu plus intelligents en amont avec des interfaces graphiques et un peu de supervision sur ces imports et ces jobs de réplication. Et puis d'ailleurs, on peut imaginer avoir donc un team outil devant et des Kafka Connect pour en renvoyer vers Mongo, vers Elastic, vers Cassandra, vers HDFS, très, très simplement. Donc le sujet du jour, c'est plus sur la partie streaming. Donc on va avoir des données qui vont arriver de différents systèmes et on va pouvoir les traiter. Donc la partie streaming, c'est la base, c'est Kafka Stream, mais le KSQL permet de faire des choses beaucoup plus simples aujourd'hui. Donc on peut avoir des systèmes qui produisent la donnée, donc écrits dans des topics on va dire bruts, et on va pouvoir intégrer dans le système un environnement qui va traiter la data dans le cluster directement et reproduire cette donnée dans un topic. Donc le job que vous allez créer en KSQL, qui va être en fait un programme en Kafka Stream, va en fait consommer cette donnée produite par un système Atinuity. Donc Atinuity est le producteur, il va envoyer de la donnée. Et le job KSQL va la réécrire en la transformant, en la traitant dans un autre topic pour un traitement métier, par exemple. Donc l'intérêt du KSQL, c'est qu'on n'a pas de coding. On peut avoir des gens qui font de la data manipulation, du data traitement, data engineer, qui peuvent utiliser KSQL, puisque c'est un langage SQL assez simple à utiliser. Un petit exemple ici, c'est une création d'une requête qui s'appelle Possible Fraud, qui s'appuie sur un topic existant qui s'appelle Authorization Attempt ici. Et on va stocker dans ce nouveau topic, Possible Fraud, toutes les cartes qui ont eu trois tentatives, plus de trois tentatives d'authentification, sur une fenêtre, ça c'est important, sur une fenêtre de 5 secondes. Donc on peut gérer le temps et écrire dans un topic qui va se retrouver qui va être un topic métier, avec une règle métier, à stocker de la donnée dans ce topic, se baser sur une requête SQL. Donc l'intérêt du système, c'est de pouvoir faire une sorte d'ETL. On va avoir donc les systèmes en entrée. L'extraction peut être faite par un team outil, par un connect, par un outil qui va emmener la data. La transformation, donc c'est la valorisation de données faite par KSQL dans le système. Et derrière, on va pouvoir reloader vers un autre système ou créer un service, un microservice vers une application, une base NoSQL. L'autre point important de l'offre, c'est la partie réplication pour partir en prod sur du multisite. Et ça, c'est ce que je montre aussi dans la démonstration aujourd'hui, c'est le fait d'avoir deux clusters et d'avoir une réplication et des requêtes qui peuvent tourner de chaque côté dans le système. Je vais passer la main à David qui va présenter sa partie. David, tu vas arrêter l'écran, c'est toi qui vas récupérer l'écran, tu vas faire afficher. C'est parti.
Merci Aurélien. Donc voilà, toi Aurélien, tu viens de présenter comment Confluent Kafka contribue à fluidifier l'écosystème de données pour en améliorer sa valorisation. Bien moi, je vais poursuivre ce data voyage en m'attachant à montrer un pattern d'ingestion de données qui, par sa facilité de design, de développement, de déploiement et d'intégration, eh bien, contribue d'optimiser toute la chaîne de productivité du data pipeline. Comment? Ben, en fluidifiant la phase amont à Kafka, hein, c'est-à-dire la jonction entre les systèmes legacy et des cibles plus modernes, telles qu'illustrées par le bus de messages Confluent Kafka. Alors, pour mieux illustrer cette réflexion sous-jacente et adresser le besoin de fluidité du data pipeline, il est important de repartir du constat sur l'évolution des paradigmes en matière de valorisation efficace de la donnée, que ce soit à des fins de monétisation ou de contribution à des processus d'aide à la décision. En fait, on est à un point de bascule entre une logique traditionnelle qui est largement aujourd'hui mature et qui est basée, dominée même, par le data warehousing et la business intelligence, et qui est ancré sur quatre axes. Tout d'abord, la notion de business reporting, à proprement parler. La notion de batch, qui est véritablement aujourd'hui un point d'ancrage dans les écosystèmes et les chaînes d'ordonnancement. On est dépendant des sources de données transactionnelles, essentiellement stockées sous format GBDR, donc des bases de données relationnelles, les ERP, tout ça pour présenter une vue historisée, alors que aujourd'hui, on est en train de vivre un point de bascule qui nous amène à passer de la logique de reporting, certes dynamique, mais basée sur une approche typiquement de business, vers une approche de data science, de machine learning, d'advanced analytics, hein, de data viz. Et où au batch, on va essayer d'opposer le real time. Non plus sur des données à froid, mais en plus sur des données chaudes, qui vont rester chaudes sur tout le temps du data pipeline. Là où on avait l'habitude de travailler sur des sources largement SGBDRisées, on va intégrer des données non structurées, en provenance d'horizons très divers, les réseaux sociaux, des fichiers plats, des IoT. Et on va passer d'une logique où on présente la donnée sur un format historisé à une présentation prédictive, voire même prescriptive. Donc en fait, le corollaire de ce nouveau paradigme, en fait, induit trois disruptions majeures. La première, c'est de pouvoir passer d'une approche de data warehousing vers une approche de data lake. La logique ici, c'est de pouvoir intégrer en large volumétrie des données structurées à des données non structurées. Deuxième point de disruption, c'est d'être capable de passer d'un mode batch au streaming. C'est ce qu'évoquait Aurélien avec Confluent Kafka. Et c'est donc la capacité d'intégrer le temps réel dans la chaîne de distribution de la donnée. Et enfin, de pouvoir le faire en passant d'une approche d'infrastructure on-premise vers le cloud. Et tout ça pour tenir compte de contraintes d'agilité et d'élasticité, sans compter les aspects financiers, lorsqu'on parle de déploiement d'infrastructures et d'applications. Approcher ces différents points de disruption, il faut aussi être capable de résoudre les challenges qui les accompagnent. En l'occurrence, être capable d'aller vers les data lakes, c'est être capable d'affronter l'hétérogénéité des sources. Lorsqu'on est dans son système d'entreprise, au niveau du data system, on a des sources hétérogènes. On a de l'SAP ou des ERP. Différentes natures de bases de données qui cohabitent, qui coexistent entre elles. Ça, c'est un premier challenge à relever, l'hétérogénéité des sources. L'autre point, c'est pour basculer d'un mode legacy de la donnée vers un mode data lake, c'est comment fait-on pour coder ces nouvelles streams, coder ces nouveaux scripts
Et là, il y a un véritable enjeu, parce que la complexité, au-delà de la technologie qu'elle implique, contient aussi des challenges d'ordre organisationnel, de résistance au changement et d'état d'esprit. Et enfin, il y a un aspect managérial au niveau de la donnée. Les questions de gouvernance, de data modeling, sont des points clés sur lesquels on doit réfléchir et lourdement s'équiper lorsqu'on passe d'un paradigme data warehouse à un paradigme data lake. Pour le streaming, c'est exactement la même chose. Le challenge est de pouvoir transformer une base de données en flux. Or, à la base, elles n'ont pas été designées, créées pour cela. Par conséquent, la question est de savoir comment passer, quelle technologie utiliser pour assurer cette passerelle de manière fluide, limpide, en maîtrisant des budgets sur des durées de mise à disposition du marché relativement courtes pour que les business owners derrière puissent effectivement tirer profit dans leurs applications. Et là aussi, avec le streaming, d'autres questions se posent sur la question de la modélisation. Quid de la modélisation, une des grandes valeurs des data warehouses, que ce soit sous format opérationnel data store ou historical data store, c'est d'apporter une modélisation qui simplifie le requêtage et qui donne une vision métier à la donnée. Avec le streaming, on doit préserver ses capacités de réponse par une logique de modèle. Comment faire? Et enfin, bien sûr, streamer reste toujours un sujet compliqué lorsqu'il s'agit de faire front à l'hétérogénéité des sources et des cibles. Tout cela dans un contexte où on va, passez-moi l'expression, cloudifier le transfert de la donnée. Et là, bien sûr, eh bien, sans être trivial, jouer des complexités liées à la sécurité et à la volumétrie sur le réseau est un des points clés du passage vers le cloud. La question qui se pose alors est de savoir comment on peut résoudre ou faire face à ces différents challenges et quel est le point ou le dénominateur commun qui existe lorsqu'on essaie d'aborder la migration vers ce type d'architecture. À Atunity, pour nous, la réponse à cela passe par ce que nous appelons le Change Data Capture, le CDC, et c'est notre spécialité. C'est ce sur quoi nous avons bâti depuis plus de 30 ans aujourd'hui la réputation et l'expertise de notre société. La question est de savoir comment le présenter sous un format simplifié, en autorisant le real-time et en adressant l'universalité à la fois des sources et des cibles. Car sur le fond, être capable d'appliquer du change data capture pour casser les logiques de volumétrie et de pouvoir traiter sur des formats de latence faible le transfert de la donnée, doit être présenté sous une forme simple, comme l'a évoqué Aurélien tout à l'heure dans la première partie de sa présentation. Pour nous, le premier point clé, c'est d'agir sur ce que nous appelons le zéro footprint, c'est-à-dire la capacité à extraire la donnée sans rajouter d'agents sur les systèmes, qu'ils soient sources ou cibles. Cela a deux impacts principaux. Le premier, bien sûr, un impact de performance, car il s'agit de pouvoir extraire à chaud de la donnée qui est contenue dans des applications transactionnelles, qui sont souvent des backbones du business model de vos entreprises. Et il ne faut pas pouvoir rajouter de la charge alors que vos systèmes transactionnels tournent. Le deuxième aspect est sur la logique de déploiement et la productivité et les aspects financiers liés à l'économie de déploiement. En évitant d'installer des agents sur les sources et la cible, on accélère le déploiement, on le facilite et on le rationalise sur le plan financier. Donc ça, c'est un point clé où lorsqu'on parle de simplification dans l'extraction de la donnée, aux fins de la fluidifier dans le data pipeline, il faut être véritablement préparé. Pour résoudre la dimension temps réel, on l'a vu, ça passe par la mise en place d'un moteur de CDC, qui est une brique experte au sein de votre data pipeline, et qui va devoir répondre en fait à l'universalité en fait des différentes équations de sources et de données qui sont présentes dans votre écosystème. Évidemment, les problématiques sur du DB2 mainframe ne sont pas les mêmes que sur du SQL Server. Être capable de traiter ou de répliquer la donnée SAP n'est pas la même problématique que répliquer de la donnée
uniquement stockée sur du MySQL. Et combiner ces problématiques-là avec les logiques d'infrastructure, que ce soit sur le on-premise et sur le cloud, pour être dans des architectures hybrides, est un autre aspect des points qu'il faut relever. Eh bien, avec Atunity Replicate, notre ambition est de pouvoir présenter un format de réplication de données real-time qui permet, sans rajouter d'agents sur les sources et les cibles, de pouvoir répliquer la donnée en real-time sur une équation de 27 sources et 27 targets, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Si on devait mapper ces trois piliers sur un plan d'architecture logicielle, on pourrait présenter en fait l'architecture de Replicate ainsi. Vous avez sur le milieu de votre écran la partie bleue qui représente un serveur Replicate et qui va permettre de travailler en mémoire et sur disque à la fois les extractions en mode CDC, qu'elles soient en batch ou streamées, d'environnement très hétérogène. On voit ici des clusters Hadoop, des bases de données relationnelles classiques, des bases de données en colonne, des systèmes de fichiers, du DB de mainframe. On pourrait rajouter du SAP, des ERP complexes, qu'ils soient on-premise ou dans le cloud. Et de manière persistante, on va pouvoir répliquer cette information vers quatre grandes familles de technologies, que ce soit des distributions Hadoop, d'autres bases de données, des bus de messages, comme les Confluent Kafka, et des bases de données spécialisées on-premise ou dans le cloud. Donc l'enjeu pour arriver à revenir sur le champ du streaming est de pouvoir en fait fluidifier cette information de systèmes sources qui sont largement structurés et non conçus pour le streaming au départ, pour aller jusqu'à proposer cette information en mode microservice. Et avec Atunity, notre volonté, c'est de transformer la database en stream, en flux, quelle que soit la nature de la source, aussi complexe qu'elle puisse être, et via Replicate, de pouvoir streamer cette information en valorisant en fait les fonctionnalités de Confluent, notamment le schéma registry, notamment la publication multiplexée, pour fluidifier le flux et s'intégrer directement. Vous allez voir dans la démo que nous allons illustrer ce propos en sourçant des données qui sont hébergées sur des serveurs aux États-Unis, notamment sur DB de mainframe, où là, on a imaginé stocker notre référentiel client. En même temps, nous allons nous connecter à une base Oracle, toujours aux États-Unis, qui va stocker des données transactionnelles. Le serveur Atunity Replicate est hébergé aux US, au UK, sur ma virtual machine, et va se connecter à un Confluent, lui installé sur Amazon. Nous allons dérouler des modifications en temps réel sur les deux bases et Aurélien illustrera comment ces données peuvent être travaillées, valorisées au travers de Confluent, notamment via KSQL. Je vais maintenant basculer sur mon environnement de démonstration et commencer la démonstration. Vous voyez à l'écran l'interface web d'Atunity Replicate. Étant une interface web, elle ne nécessite aucune installation sur les postes clients, ce qui facilite le déploiement et la mise à jour. Vous voyez à l'écran que plusieurs tâches sont actuellement en train de fonctionner et d'alimenter un data pipeline. Ce que je vous propose, c'est de faire une visite guidée d'Atunity Replicate et de partir à la conquête des données sources qui sont aujourd'hui sur DB2 et Oracle pour les streamer vers du Confluent Kafka. Dans Atunity Replicate, il y a deux grands concepts clés. Le premier, c'est celui de tâche de chargement, tel qu'il est illustré devant vous à l'écran. Et le deuxième est celui de endpoint. Par endpoint, on entend en réalité la création ou la définition des points d'accès, qu'ils soient source,
ou cible. Pour créer un endpoint, c'est relativement simple. On donne un nom, on spécifie un rôle et on sélectionne le type qui renvoie en fait aux sources et aux cibles que nous supportons. Ces sources et ces cibles peuvent être situées dans le cloud, peuvent être relativement classiques, au format relationnel, sous forme de système de fichiers. Vous voyez ici du DB2. Donc, un large panel de sources et de manière corollaire, un large panel de cibles. Les informations qui sont renseignées à la création d'un endpoint sont souvent issues des informations nécessaires à la configuration des drivers propriétaires. Typiquement, pour Oracle, on va pouvoir renseigner les mêmes natures d'informations que celles qui auraient été insérées dans un SQL développeur. Je vais donc tester les sources que je vais configurer ou que j'ai déjà configurées ici. Et de la même manière, je vais valider ma source DB2. Sur mainframe, et aussi valider ma target, le endpoint target vers Confluent. Comme vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs options qui permettent en fait d'affiner la configuration d'un endpoint, et notamment de tirer profit de différentes couches de configuration. Par exemple, la sécurité. On peut tout à fait spécifier des propriétés d'authentification particulières, parmi lesquelles Kerberos. On peut choisir d'un format de message, voire même d'une logique de compression. On peut spécifier si les données seront stockées dans un topic spécifique ou si chaque table fera l'objet d'un topic. Et à partir de là, affiner une stratégie de partitionnement. Encore, on peut valoriser et tirer profit du schéma registry et de s'intégrer directement à ce que Confluent propose. Le endpoint défini, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser dans la création d'une tâche. Pour créer une tâche, c'est relativement simple. Quelques étapes, on donne un nom. Lorsqu'on stream, on s'intéresse aux changements qui vont être poussés comme des événements entre une source de données et le bus de message. On va drag and dropper les sources, la target, sélectionner les tables, là au travers d'un schéma, mais on peut aussi définir des patterns de sélection qui permettent d'inclure de manière automatique l'intégralité des objets qui seraient rajoutés à un schéma. Ici, on va valoriser du SQLite, ce qui permet d'utiliser les fonctions classiques du SQL. Les tables sélectionnées, on peut décider de faire des transformations en mode ligne à ligne. Et c'est bien ici ce qui va nous différencier d'un ETL, car un Unity Replicate n'est pas un ETL. Il est complémentaire à l'ETL ou à l'ELT, dans le sens où un ETL va avoir pour vocation de joindre les données et de les agréger, alors qu'un Unity Replicate est un transporteur de la donnée. Pour transporter la donnée à une latence faible et en volumétrie. Donc ces transformations peuvent être réalisées au niveau global. Et un certain nombre d'opérations peuvent être réalisées, et notamment via ce que nous appelons un expression builder qui permet d'accéder à des opérateurs et des fonctions de SQLite pour travailler en mode ligne à ligne la donnée. Par exemple, agir sur un typage. Ce qui est possible de faire au niveau global est possible de faire au niveau local. Et là, on va retrouver de la même manière la même interface avec les opérateurs et les fonctions SQLite. Une fois les transformations éventuellement effectuées, je n'ai plus qu'à sauvegarder ma tâche et à lancer son exécution. Les tâches que vous avez à l'écran ici sont en cours de chargement. Et comme vous le voyez, 2DB2 vers Confluent
On est en train de sourcer la table customer et de réaliser des inserts en temps réel. Le CDC s'opère en temps réel. Et là, il n'y a pas de magie. En fait, tout se fait par la lecture dynamique des logs, sans agent, sur le système source. De la même manière qu'on le voit s'opérer sur le DB de mainframe vers Kafka, on le voit s'opérer d'Oracle vers Confluent. On voit des inserts, on voit des updates. C'est cette visualisation via la plateforme Atunity peut aussi se mesurer, bien sûr, via le Control Center de Confluent. Et là, vous voyez ici, en fait, le data stream des inserts qui sont réalisés directement dans les différents topics Confluent. Donc, voyez, définir une tâche dans Atunity Replicate est un processus simple. C'est un véritable pattern d'ingestion. Et ce que je viens de vous montrer pour sourcer une base DB2 vers Kafka ou une base Oracle vers Kafka pourrait aussi s'envisager pour sourcer un DB de mainframe vers Hadoop ou d'une base de données mainframe vers un Postgre, par exemple, pour essayer d'offloader de l'information du mainframe et réaliser une diminution de la consommation de MIPS. Bref, les cas d'usage qui existent dans l'utilisation et la valorisation de Replicate sont nombreux et peuvent servir à la fois des use cases de data migration, d'offloading pour des questions de rationalisation financière, de migration vers des architectures modernes telles que Unity, pardon, telles que Confluent, ou aussi vers des distributions Hadoop. Là, je vais laisser la main à Aurélien pour qu'il vous montre comment, une fois la donnée streamée vers les topics, peut être valorisée au travers de KSQL. Bonjour, ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure, les gens sont rejoints le meeting au cours. Donc le but de la démo là de la préparer avec un peu le schéma avec David, il vous l'a montré dans l'interface graphique d'Atinity. Moi ce que j'ai de mon côté en fait c'est la console Confluent que je vous montre un petit peu et la console SQL. Il va y avoir une consolidation des consoles à terme cet été. On aura les deux consoles dans le même outil, dans le contrôle center de Confluent. La console KSQL. Et dans la démo aujourd'hui, donc on a une table customer qui vient donc de DB2, une table avec des commandes, des logons. Et j'ai fait une petite jointure pour voir qui est logué, par exemple, à un instant T ou dans une tranche horaire. Et on a également une réplication vers un deuxième cluster. Donc j'ai un cluster qui s'appelle DRP et j'ai un cluster qui s'appelle ATT. Et j'ai répliqué customer et logon sur une table distante pour vous montrer que on peut avoir un système de prod avec des traitements et un système de secours où on peut aussi avoir les mêmes traitements ou les mêmes visualisations. Ou imaginez avoir un système pour les statisticiens, par exemple, qui veulent récupérer de la donnée en temps réel, data préparée, qui peut être préparée à la source pour des besoins métiers, mais aussi pour des besoins d'analyse long terme. Et donc, ce qu'on n'a pas forcément intégré dans la démo, mais c'est pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, la partie connect est importante, c'est-à-dire que ce qu'on produit là, en fait, les jointures ou des tables ou des streams peuvent être en fait repoussés vers des systèmes distants ou utilisés par des microservices, je vais y arriver, par des microservices qui peuvent reconsommer cette data dans le système. Voilà le flow de démo. Donc là, c'est le premier cluster qui s'appelle donc ATT. On va dans l'URL là-haut. Avec donc la console web, on voit les flux en entrée depuis 30 minutes sur le système avec les différents messages. Je pense que David, tu fais tourner des flux d'injection, j'imagine, en tâche de fond. Donc il y a des données qui sont en entrée. Comme je maîtrise pas la partie injection, j'ai pas la console. C'est toujours le côté un peu tricky de la démo, mais je pense que ça tourne. Il y a les topics de notre côté ici. Avec tous les topics métiers, voilà. Donc, si je veux chercher, par exemple, les customers. Donc, ici, on a utilisé une entrée cible qui s'appelle Steve Customers. Et on a fait des transformations parce qu'on est en format JSON. On n'a pas utilisé le schéma registry. Donc, ce qui fait qu'on doit typer à chaque fois les données. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça demande un peu de travail sur la création des requêtes parce qu'à chaque fois, il faut faire un extract du JSON, trouver les champs, et ainsi de suite.
ce qui n'est pas nécessaire quand on a le format Avro avec le schéma registry. C'est-à-dire que on n'a pas utilisé cette fonction-là pour le moment parce qu'elle n'est pas intégrée dans KSQL. Ça arrive dans un mois. On aura la capacité d'exploiter le fichier les en-têtes JSON venant de Atinuiti ou Lavro directement. Donc pour l'instant, on a fait des manips. Donc il y a pas mal de topics de transformation, de pré-transformation. On a un topic raw. J'ai réorganisé par clé, par exemple, je fais des petits tests. Voilà. Il y a un customer source qui permet de faire des traitements. Et on peut donc filtrer sur le nom du topic, afficher tous les topics du système. Il y a des topics internes aussi pour la console, parce que notre console web est une application Kafka. Donc je peux cacher ces topics-là. Et du coup, rechercher et creuser le sujet. Si je veux aller voir, si je cherche Steve, par exemple, celui-là, le premier, je peux regarder en détail comment il est configuré. Donc, regardez un peu la config du topic. Hop, hop. Je prends celui-là. Voilà, c'est là. Donc, on a les réplicas avec les systèmes qui peuvent être en sous réplication. Pour l'instant, c'est assez simple sur un monolithe, donc il n'y a pas trop de détails. Ici, les détails de rétention, les paramètres. Je peux aller dans la partie expert pour configurer en détail le topic. Dans le système, ça c'est toutes les configurations possibles des topics et la partie stream. Donc ça c'est ce qui rentre dans le système et comme il y a pas mal de transfo et de données, tout n'est pas utilisé dans la tout est surutilisé pardon parce qu'il y a beaucoup de transformations donc on est en overall completion de par les transformations qu'on peut faire dans le système. Donc là il y a les différents flux de données, les différentes requêtes qui tournent dans le système qui sont donc des programmes de streaming qui vont reprendre par exemple logon, on va traiter la partie logon, donc c'est les données en entrée qui sont dans les tables en entrée chez Anetuiki et qui viennent sur un topic logon chez nous. Donc on voit tout le déroulé ici. Et j'ai également mis en place sur la partie Kafka Connect, donc ça c'est la partie Kafka Connect sur mon cluster de secours, donc là c'est le BRP, j'ai un onglet Kafka Connect et là j'ai une tâche qui tourne qui en fait reprend en fait les topics logon, customer source et order source, donc très peu de topics par rapport à mon autre système, et qui les prend donc ici sur mon système de source, et qui les écrit dans mon système local. Donc là, si je suis donc sur mon système distant, et je n'ai plus que ça, je n'ai plus que customer source réplica, point réplica, parce que j'ai mis un point réplica à la fin de mes topics, ici, et là, j'ai le schéma. Donc c'est les deux topics qui m'intéressent et qui sont sur mon système de secours. Donc, j'ai répliqué ce qui se passe ici. Donc, là, en entrée, tout mon flux de données, tous mes streams de données qui sont ici. J'en réplique une partie, j'en réplique deux sur mon cluster distant. Ici. Ce qui me permet d'avoir aussi les interfaces. Donc, là, sur les interfaces graphiques, par exemple, si je fais un print Steve, customer, ça, c'est le premier topic que montrait tout à l'heure, David. Je le fais en live ici. Donc là, j'affiche en fait ce qui rentre dans les topics. Donc là, j'ai une preview de ce qui passe. Ça, c'est le flux live. Vous voyez, c'est streamé en direct. Je vois les messages que pousse David. Donc si j'arrête ça, je peux regarder comment est composé le message. Donc là, je vais avoir le descriptif, la data ici qu'il faut que je traite du coup parce que j'utilise pas le schéma enregistré. Ça pourrait être fait avec le schéma enregistré directement. Et la partie header qui me dit ce que c'est comme opération, que c'est un insert, à quelle heure, et ainsi de suite. Donc j'ai les messages techniques et les messages métiers. Donc je peux avoir une date métier, et puis une date, des dates métiers ici, et des dates techniques ici. Donc là j'ai tous les champs. Après je peux formater tout ça. Donc c'est ce qui a été fait. Hein. Si je vous montre un peu la chose, on a fait ce genre de choses. Par exemple, j'ai pas la relancer, elle tourne. Mais voilà, on va créer un stream. Customer source avec une sélection qui va extraire en fait les données des différents environnements pour la avec une opération insert. Hein, tous les inserts d'une base, donc je vais mettre ça dans customer source et je vais pouvoir après broser en fait. Ici, je vais avoir le show stream. Hop, si je vous mets en tabular, là j'ai tous les streams qui tournent, tous mes programmes streaming qui tournent, ou mes tables. J'ai une table customer également et je peux avoir avec mon show stream les différents environnements qui tournent sur le système. Donc par exemple, je peux faire un petit test en regardant tous les clients créés qui sont en Chine. Donc, je peux le lancer ici et puis le lancer ici, par exemple. Elle est déjà là. Donc là, je lance sur mon secours et sur ma prod. Hop, il manque un point virgule. Voilà, tac, ça tourne ici.
aussi. Ça tourne. Voilà, donc là j'ai lancé en prod la requête. Donc je voudrais avoir tous les clients qui sont créés là à l'instant. Donc y a des clients qui vont être créés et qui vont avoir comme territoire la Chine. Donc j'attends un petit peu, ça va passer. Ça fonctionnait tout à l'heure, donc ça devrait fonctionner maintenant, j'imagine. S'il a donné ton entrée. De clients en Chine, bizarre. Donc, il n'y a forcément pas sur le secours. Mais sur la prod, ça devrait tourner. D'accord. Alors, on va remettre un autre pays. On va tester. Peut-être que la génération pose problème. Ce que je ne maîtrise pas. D'accord. Tu peux regarder, David, si ça génère des clients de ton côté, parce que là, je n'ai pas grand-chose. Voilà. Et c'est Américain, Suisse. Il y avait un japonais. Donc, on va passer comme ça. On va pas mettre les pays. C'est un outil qui fait de la génération aléatoire de données. Donc, on va passer comme ça également ici. Voilà. Là, j'ai lancé avec un petit décalage. Donc, ce qui va arriver là doit arriver là. Voilà. Vous voyez ce qui vient d'arriver sur ma prod avec ma date. Donc, là, j'ai des clients indiens, américains, chinois. Ah, mais il y en a un qui vient de tomber. Voilà. À 10h46, il y a 1 heure de décalage par rapport à 2 heures de décalage par rapport à l'heure local. Et donc là, je vais retrouver les mêmes champs, voilà, qui arrivent ici et qui sont passés également ici. Donc là, je suis capable de pouvoir streamer, formater ma donnée, passer des requêtes dessus, sur des mots-clés, des dates, en live sur le système et avoir un deuxième système qui peut le faire tourner également. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur les manipulations ou sur les traitements? Oui, il y a une question. Alors, au niveau des questions, a priori, la première question qui a été posée concerne les formats utilisés dans les streams. Hein. Quels sont les formats qui sont utilisés d'habitude? Oui, donc au niveau des formats, on va se retrouver avec le schéma registré en général. Là, on n'a pas utilisé, donc il y a un peu peut-être moins facile à manipuler du coup parce qu'on est sur du JSON. C'est plus souple, mais c'est plus complexe dans la création des requêtes. Quand on utilise le schéma registré, ce qu'on conseille quand même en général en production, on va se retrouver avec des formats Avro au niveau du schéma registré. Donc, il y a un seul format de topic qui va être le format Avro. Est-ce que c'était le point de la question? Merci beaucoup Aurélien. J'ai une deuxième question qui concerne quel est l'impact sur la production? Une requête KSQL? Une requête KSQL par rapport à la production? C'est une question. Je comprends le sujet. C'est plutôt les I/O ou l'impact pour avoir une requête. En effet, si on laisse à un client, un utilisateur, la capacité de faire un select étoile from beginning sur un très gros topic, en effet, ça va aller sur disque. Donc ça va charger des serveurs KSQL puisque la partie KSQL tourne sur des serveurs dédiés. Donc on va séparer la partie KSQL, on ne fait pas ça sur les brokers. Hein, donc les brokers vont avoir un accès en lecture par un système qui va donc vouloir lire. Donc il faut faire un sizing ensemble, on fait des architectures pour ça. Et on évite d'avoir des gens qui passent des requêtes non validées, un peu comme dans une base de données. On ne donne pas une base de données Oracle, le moteur de base de données Oracle à n'importe qui. Un DBA qui est compétent, on ne fera pas n'importe quoi. Donc un utilisateur, il va être aussi limité à son périmètre. Donc il faut essayer de construire un système qui protège aussi l'environnement. Mais en effet, c'est un point d'architecture qu'il faut évoquer, qui se traite, je dirais, par la création d'un système qui permette de protéger un peu le système globalement. Là, je peux rebondir, Aurélien, pour souligner justement par rapport à cette question l'intérêt de passer par une brique CDC qui accède directement au log sans avoir d'agent à installer ou à déployer.
Parce que, effectivement, de ce point de vue-là, on a sur le système de base de données source un impact minimal. On estime que de 2 à 5 % la charge CPU générée par une opération CDC, là où elle peut être chiffrée entre 15 et 25 % avec un accès ETL classique lorsqu'il s'agit de la répliquer. Donc là, prenant la donnée dans un système source, une base de données source, par exemple, un ERP sous Oracle, la donnée streamée sans agent, donc avec un impact minimal sur le ERP, et à partir de là, la question se pose de savoir comment on l'optimise dans le cluster Kafka. Voilà. Voilà, une autre requête qui peut être intéressante, si on veut, on peut jouer en fait sur l'offset ici. C'est un des paramètres, live test, donc c'est tout ce qui est live. Et là, si je veux des données plus anciennes, je peux jouer sur les données pour revenir en arrière sur les données qui ont été injectées, par exemple le 6 quand on a monté la démo. Si je veux les clients qui sont connectés à 9h30 quelque chose, je peux faire un run, il m'affiche tous les clients qui sont connectés entre 9h33 et 9h39. Donc c'est une jointure entre. Donc, j'ai une jointure entre customer et logon, avec les logon ID, les logon date, le customer ID, name et email. Et là, j'ai les gens qui sont connectés le 6, donc dans le temps, avec un email contenant Oracle. Donc, j'ai fait une jointure avec deux closeware sur un environnement et je récupère un format tabulaire ou un format JSON, si je peux l'afficher en JSON ici. Un format tabulaire qui me permet de réexporter cette data très customisée pour un environnement précis vers un nouveau topic ou une table pour réexploitation. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens parce que c'est un format très précis sur une date, une plage précise, mais on peut faire des selects assez fins. Et là, on est sur du disque, on n'est plus en mémoire puisque le 6 avril, tout est resté sur disque. Donc j'ai ma rétention. La rétention, ce paramètre sur les topics, on peut gérer ici de la rétention plus ou moins longue. Si je prends le customer source par exemple ici. Donc lui, il est plus sécurisé. Je vois le nombre de consommateurs. Donc c'est toutes mes requêtes SQL qui ont consommé cette partition ici, avec la majorité de mes données. Et je peux gérer ici la rétention. Si je veux étendre la rétention, je peux la gérer pour avoir une rétention plus forte sur une table plus métier. Et une rétention ici sur la partie Steve, par exemple, parce qu'il y a la table poussée par Atinuiti qui pourrait être plus courte d'une journée, par exemple, parce que c'est la table real-time poussée par Atinuiti. Et je peux, par exemple, ne garder que, on va dire, 7 jours par défaut, mais garder plus de temps dans une table plus orientée métier, qui serait la Customer SRC, par exemple, ici, où je vais valoriser l'environnement, où je vais avoir mes consommateurs SQL. Donc là, voilà, on va tourner la requête. On peut faire une requête beaucoup plus customisée. Là, j'ai toujours ma requête qui tourne sur mon deuxième cluster, le DRP, avec mon côté real-time et mes clients qui rentrent voilà, qui sont produits par Atimity. Donc là, j'ai 150 clients qui ont été créés dans l'intervalle depuis que j'ai lancé ma requête tout à l'heure, parce qu'elle est en latest ici. Elle ne prend que les dernières données en cours, en fait. Et après, je peux regarder aussi ce qui est fait sur une requête. Je fais un describe extended. Je peux voir ce qu'est une requête. Il me dit, voilà, la requête, elle a des champs, elle a une clé. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je peux changer, en fait, la clé, plutôt que d'avoir l'offset métier, enfin technique, pardon, de Kafka, je peux avoir une nouvelle clé qui va être une clé métier. Et mon placement ne sera plus fait par rapport à l'offset sur cette table-là, mais par rapport à une clé métier et pas une clé technique. Ça, c'est important, la partie changement de clé qui permet de ramener je dirais le métier et non plus uniquement la partie Kafka avec les offsets pour ceux qui connaissent un petit peu Kafka. Ça se passe comme ça en fait. Si vous voulez, je vous montre la requête. Cette table-là est écrite comme ça. C'est un stream qui s'appelle Customer Ricky. Donc je positionne ici mes types de champs. Je dis que ça s'appuie sur le topic Customer Source en JSON et que la clé sera Customer ID. Donc du coup, au lieu d'avoir une clé qui est l'offset ou sans clé, je récupère une clé qui devient une clé métier et qui est mon customer ID. Ça peut être un numéro de commande, par exemple, si vous avez un numéro de commande séquentiel, on peut se positionner sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie?
Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, Aurélien, il y a une question qui est arrivée qui demande si la requête ralentit le flux de stream. Alors, la requête est un stream parce que ce qu'on voit là dans KSQL, en fait, c'est comme si vous étiez. J'aime bien reprendre cette petite phrase de notre ami Florent, qui est technical account manager chez nous. C'est comme si vous étiez le meilleur développeur avec les meilleures compétences en Java, en fait. Quelque part, il prend votre structure SQL et il la met dans un programme Java qui est déjà prêt et qui va réinterpréter votre code en code Java. Donc il y a pas de c'est même le meilleur code qu'on pourrait avoir en Kafka Stream, puisque votre requête SQL elle est exécutée par un programme en Kafka Stream. C'est pour ça qu'on la voit ici, en fait. On la voit passer ici dans la partie stream comme un programme en Java classique, un programme de stream classique, parce qu'en fait on crée ici une action et on peut suivre le job Kafka Stream. Là, il y en a plein qui sont plus exécutés, donc on les voit un peu en rôle historique. Mais l'intérêt du KSQL, c'est de justement de pas faire du Kafka Stream complexe et de faire du SQL, mais ça n'a pas de, il n'y a pas d'overhead à utiliser du KSQL par rapport à du Kafka Stream. C'est la même chose, en fait. C'est juste une abstraction et une facilité pour manipuler les topics et avoir un accès graphique et simple à l'outil et surtout en SQL. Donc cette console là qu'on voit, la KSQL, la UI, elle sera intégrée à terme dans Control Center. Il y aura un menu ici où on pourra suivre les flux et les requêtes. C'est pour cet été. Merci beaucoup Aurélien. Une dernière petite question. Quelle connectivité doit être installée sur le serveur Replicate pour se connecter à Confluent Kafka? Pardon. Alors, en fait, cette connectivité est native. Par conséquent, en dehors du serveur Replicate, il n'a rien à installer. C'est juste une connexion à configurer. Voilà. La connectivité vers Kafka est native dans Unity Replicate. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Oui, supportez-vous Swift ou Protobuf? Pas encore, non. C'est pas. On a déjà eu ces questions-là, mais c'est pas. Aujourd'hui, c'est Avro. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Le webinaire va maintenant s'arrêter. Nous allons ensuite vous envoyer, bien entendu, le lien pour y accéder on demand d'ici quelques jours. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et espérons vous retrouver bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.